Pour qu'il y ait des élections, déjà, il faut qu'il y ait de la matière. Il faut, parce qu'on parle d'élections. Dion Kounda, peut-être qu'il, sans le savoir, il s'est fait prendre à son propre piège. Parce qu'il dit que les élections auront bel et bien lieu sur toute l'étendue du territoire. Et à supposer que demain, on est mercredi, on arrive à libérer Kidal, on arrive à libérer toutes les villes, il faut pouvoir y installer l'administration, faire revenir les gens qui habitaient là et pouvoir faire des élections dans ces endroits-là. Or, on sait aujourd'hui que même si l'armée malienne parvenait à mettre la main sur Kidal, faut pouvoir mettre l'administration et que cette administration soit en sécurité. Et mettre de la confiance sur place afin que les populations déplacées puissent revenir. Et donc, je ne vois pas comment en 2013 on pourrait réaliser tout ça et pouvoir avoir à l'esprit de faire des élections. Parce que pour que des gens aillent voter, il faut pouvoir les intéresser. Et je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait les canaux nécessaires pour parler d'élections aux gens et parler des choix à faire entre les différents candidats, à expliquer les projets des différents candidats aux gens. Et enfin, pour moi, il n'y a rien qui est prêt pour aller aux élections en 2013. En fait, si vous voulez, moi, j'essaie de jouer mon rôle. C'est-à-dire que moi, je demande la permission à personne. J'estime que si il doit y avoir des élections, après, ce que je dis n'est pas forcément la parole biblique. Ce que je dis, ça provient d'analyse, ça provient de ma propre vision par rapport aux choses. Peut-être aussi parce que je ne souhaite pas qu'il y ait des élections dans ces conditions, parce que je me rappelle qu'il y a 20 ans en arrière, il y avait eu un coup d'État, et on avait espéré des élections pour réaliser ce qu'on peut appeler un take-off, pour pas qu'on revienne encore dans ces situations de pouvoir, de demi-pouvoir et de surpouvoir. Et donc aujourd'hui, si on organise ces élections dans ce décombre géant, il va en sortir un président qui sera en fait un pantin. On sait tous aujourd'hui que l'épineux problème Sanogo n'a pas été résolu. Donc je ne vois pas comment le président issu de ces élections-là, déjà qu'ils n'auront même pas l'adhésion publique, beaucoup de Maliens, même n'étant pas en zone de guerre, n'iront pas voter. Parce que la situation est telle qu'aujourd'hui, on n'a même pas encore commencé à parler des projets des candidats. À part quelques personnes qui ont accès aux candidats, la grande majorité de la population malienne ne sait pas quel candidat veut quoi, va faire quoi. Le débat aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis bien placé pour vous en parler, le débat politique aujourd'hui tourne autour de l'auto-évaluation des candidats. Moi, pendant les 20 ans, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais ils se préoccupent très peu de ce que la population pense d'eux. Et aujourd'hui, la population n'a pas les indices pour comparer ces gens. Le seul indice comparatif pour ces gens se limite à je le préfère à l'autre. C'est le moins pire des autres. Voilà ce qui se passe en réalité. Je ne dirai jamais que le MNLA n'est pas malien. D'ailleurs, pour moi, le MNLA est malien. C'est là où il y a un espoir de résolution de cette crise-là. Le MNLA est malien. Le Mali existe depuis, enfin, l'État malien, la République du Mali existe depuis le 22 septembre 1960. Le premier pays à avoir reconnu le Mali, ça s'appelle l'Allemagne. Et les autres pays ont suivi. Dans le concert des nations, aucun pays, je dis bien aucun pays n'a reconnu le MNLA. Et donc, ils sont maliens, ils finiront par l'accepter. Et nous allons continuer à discuter. Moi, je suis partant pour les discussions. Je suis partant pour trouver des solutions internes. Mais le MNLA n'est pas, ce n'est pas une entité étrangère, même si à un moment donné, ils se sont alliés aux différents groupes terroristes. Moi, je les considère d'ailleurs comme des terroristes. Ceci étant, ce sont des Maliens. Donc, la justice malienne doit faire son boulot. La société malienne, à travers les canaux de discussion, les canaux de solution, doit pouvoir trouver une solution avec le MNLA. Et donc, en aucun moment, je les considère comme n'étant pas maliens. Et donc, quand je parle de libérer Kidal, nous sommes dans un État qui s'appelle le Mali. À un moment donné, il y a des gens, des Maliens, qui se sont ralliés à d'autres personnes qui ne sont pas des Maliens pour créer une espèce de non-droit dans cette localité-là. Quand je parle de libérer Kidal, je parle de rétablir la constitution malienne, l'armée malienne, l'administration malienne et le droit malien sur le territoire de Kidal.
Voilà ce que j'appelle libérer Kidal.